Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble le calendrier de l'Avent des enfants. Voilà, on est mercredi, non on n'est pas mercredi, on est jeudi. Et jeudi, c'est bientôt donc le 1er décembre et moi je leur prépare cette année un petit calendrier de l'Avent que j'ai décidé de leur faire moi-même. Avant ça, je vous montre, je porte un petit pull que j'ai reçu ce matin, voilà, qui sera en ligne sur le site. Il est hyper doux. Parce que je crois qu'il y a 15% de laine dans celui-ci, donc forcément il est tout doux. Et je vous ai entendu, vous êtes nombreuses à me demander des pulls qui descendent sous les fesses. Et bien celui-ci, oui. Voilà, vous voyez comme il est extensible et il descend donc sous les fesses. Voilà, voilà. Après moi je ne le descends pas sous les fesses, j'aime bien le remonter un petit peu, mais voilà, comme ça vous savez un petit peu. Voilà, il est colvé devant et derrière il est un petit peu arrondi, presque colvé. Mais je vous le présenterai aussi sur Insta, mais comme je l'ai mis, je voulais juste vous le montrer. Alors, d'abord j'ai acheté des petites pochettes comme ça en carton. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire chacun leur tour pour pas tout mélanger. Voilà, donc, hop là, les petites pochettes se présentent comme ça. Elles sont très bien, elles sont très simples, mais c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon. Voilà. Et dedans, je vais mettre un petit cadeau. J'ai acheté du chocolat et j'ai acheté des petits cadeaux sur Vinted qui valaient le coup, des petits Playmobil. J'ai acheté, vous voyez, un petit... mince, robot Carpoli. Ils sont à fond dans robot Carpoli, moi. Je sais pas vous, mais nous, les gars, ils adorent ça. Donc j'ai pris des choses un peu... de seconde main, voilà, pour faire le calendrier, mais il m'est revenu quand même assez cher parce que je leur ai pris des petites choses par-ci, par-là. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais refermer ça avec une pince à linge et je vais marquer le numéro dessus. Tout simplement, c'est très simple, c'est la première fois que je le fais. Je vais mettre ça, tout ça au-dessus du meuble télé, à côté, en fait, il y aura le mien de calendrier au milieu. Je me suis pris un calendrier Rituals. Et à gauche et à droite, en fait, vous aurez ceux des enfants. Voilà, comme ça, chacun pourra avoir son côté et choisir. Donc, tous les matins, il y aura le numéro. Donc, ils prendront le numéro du jour. Et on va faire ça ensemble. Je suis là. Je suis en t-shirt, hein, si vous vous demandez pourquoi l'eau a changé. C'est qu'il fait chaud. Alors, pour le premier cadeau, je leur ai pris chacun un Playmobil, comme ça. Donc là, une moto. Et ici... un scooter, donc Alice a le scooter et Aaron la moto. C'est le cadeau du dimanche 1er décembre. Normalement le dimanche et le mercredi je mets des chocolats parce que c'est le jour où je les autorise à manger du chocolat, en fait. Pas qu'ils aient à manger le chocolat avant d'aller à l'école, mais comme c'est le premier jour du calendrier, j'avais envie de leur faire une petite surprise et un petit plaisir. Donc je vais leur mettre un petit Playmobil dedans. Et peut-être même un chocolat en plus. Voilà, c'est pour marquer le coup. C'est tout, tout simplement. Alors, je vais donc préparer la petite moto. Je suis pas très douée là, enfin le scooter. Moi, c'est pas le... tout ce qui est un peu manuel. Bon, c'est très simple, hein. Il suffit juste de mettre la béquille. Mais il faut y arriver encore. Je vais y arriver. Trop mignon. Après ils ont mis des petits trucs comme ça. Après ça je sais pas si je leur laisse parce que moi les miens, ouais, je pense que la petite crème comme ça elle va vaquer, parce que je me dis on sait jamais avec Aaron, la petite nanette Playmobil elle va rester avec son petit sac, ça c'est pas un souci, et son chapeau. Donc voilà, dans le premier elle aura une un scooter. J'ai pas réussi à mettre la béquille donc je vais le mettre avec, parce que le 1er décembre il y aura Julien, donc il va m'aider avec la petite Playmobil. Voilà, j'enlève la petite montre qui est toute petite et le pot de, je sais pas, dentifrice ou quoi. C'est trop petit pour Aaron. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis ça dedans, je vais rajouter un petit Kinder comme ça en bâtonnet.
Voilà. Et je vais refermer celui-ci avec un petit bonhomme de neige. Et voilà, le numéro 1 est fait. Et je vais faire, comme ça pour tous. Ceux d'Alissa, je mettrai bonhomme de neige et petit ours. Et Aaron, c'est des petits trains. Tout simplement. Alors par contre, sur Vinted, j'avais pris un camion. Celui-ci qui est beaucoup trop gros pour rentrer. Et celui-ci aussi. Donc ça, c'est des... Je vais leur donner, je pense, à la Saint-Nicolas. Voilà, tout simplement, ils auront un petit cadeau. En plus, je suis un peu déçue parce que c'est pas de super bon état. C'est un peu cassé, c'est sale, je viens de les nettoyer. Enfin, un peu déçue. Mais c'est le jeu avec Vinted, on le sait. Donc, je continue et je fais ça pour tout. Je vais pas vous montrer tout le contenu du calendrier de l'Avent parce que je vous laisserai avoir la surprise au mois de... décembre pendant les vlogmas, mais au moins vous aurez vu les deux premiers. Je vous montre le deuxième que je fais pour Aaron, donc c'est le numéro 1 également. Et dedans on va mettre donc, le petit Playmobil que j'ai acheté. En fait les Playmobil je les ai achetés chez Leclerc et je me suis rendu compte que ça je les ai payés vraiment pas cher et que finalement d'acheter sur Vinted ça valait pas forcément le coup après réflexion. Donc, c'est bon à savoir hein, c'est comme ça. On ne peut pas toujours savoir, mais il vaut mieux des fois prendre des trucs neufs, c'était bon. Ça revenait au même, si vous rajoutez les plateformes avec les autres, ça revenait au même. Oh non, c'est une moto à monter, alors ça... Ça, les amis, il y a peut-être la notice, mais je déteste ça, moi. C'est pas du tout mon délire, j'aime pas ça. Oui, il y a la notice... Oui, donc ça va être simple, mais en petit 1, vous prenez la jante et la roue. Vous les mettez ensemble. Deux fois parce qu'on en a deux. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, vous prenez le petit morceau qui est là. Vous lui rajoutez son petit, sa petite devanture, là. Voilà. Et vous y rajoutez... une petite roue. Voilà. On rajoute le deuxième morceau. Et on rajoute la roue. Oui, ça va très vite en fait. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont vachement manuelles. Ma maman l'est, mais moi je ne le suis pas. Ici, vous avez déjà la béquille de fête, donc ça, c'est cool. Au petit Playmobil, on lui rajoute son casque, enfin sa casquette, là, s'il veut bien. Tu veux pas? Voilà. Et il a un gant. Alors, à quel moment vous lui mettez son gant? Pourquoi il en a qu'un? Normalement, il a deux gants, donc il doit y avoir une deuxième partie... Peut-être qu'il s'est caché, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, j'en ai mis un. Qui a pris le gant du Playmobil? Oh. Ah, il est là. Je vous ai accusé à tort. C'est bon. Et pareil, lui... Ah non, je croyais qu'il avait une montre, mais c'est la montre de celle de tout à l'heure. Donc, voilà. Donc voilà, je prends donc mon petit numéro 1 et dedans j'y mets ma moto et mon Playmobil. J'y rajoute le petit Kinder et je ferme avec des petits trains. Il va falloir que je fasse ça 25 fois. Encore 24 quoi. Enfin, au total 48. Donc voilà, celui-ci, c'est celui d'Aaron. Donc je vais vous laisser, comme ça vous aurez la surprise. Et voilà, donc là vous avez le côté de Monsieur Aaron. Je trouve que ça rend bien, j'ai acheté les pochettes sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Les petites passages, je les ai pris chez Leclerc, donc voilà. Et ce côté-là, vous avez le côté Alissa. Voilà, voilà. Et ici, vous avez le mien qui est ici. Autant vous dire que j'ai passé, il est quelle heure? 3h15.
plus d'une heure et quart, je crois, dessus. Et c'est fait, c'est une bonne chose de faite, croyez-moi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi si elle vous a plu. Moi, j'ai adoré préparer ce petit calendrier pour les enfants. J'ai tellement hâte de voir leur réaction. Vous verrez tout dans les Vlogmas, puisque je filme les Vlogmas tout le mois de décembre, enfin du 1er au 25. C'est-à-dire que je filme par exemple le 30 novembre. Et vous aurez la vidéo le 1er décembre au matin, normalement. Si tout se passe bien, ce sera le matin à 6h. Donc ça va être, autant vous dire, un mois de décembre assez intense, surtout que je vous prépare aussi le concours, il y a la boutique qui ouvre. Je me suis mis une pression de folie et des objectifs de fou pour décembre, mais je suis ravie de pouvoir faire ça et très excitée à l'idée de faire tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, ça change un petit peu de ma zone de confort, de ce que je fais habituellement. Voilà, là, j'ai décidé que le mois de décembre c'était la folie, que je me lâchais, ça y est, j'ai 30 ans et je profite un petit peu et j'ose prendre des risques. Voilà, pour vous ça paraît très très bête, mais moi le mois de décembre ça va être chaud, mais je suis contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.